Donc oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 195 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Street of Rage, toujours sur Mega Drive pour continuer notre période Mega Drive. Et donc vous voyez, on a vu l'introduction, je vous l'avais laissé dès le début, et on part tout de suite dans le jeu Runestart 1. On atterrit avec notre petit bonhomme que je viens de choisir entre les trois, ils avaient différentes caractéristiques chacun. Et donc voilà, on va faire un petit jeu de beat'em all en fait, tout simplement, c'est du beat'em all en scrolling horizontal. On va se promener donc dans la rue, on est un gentil on va dire, et on va essayer de faire régner l'ordre dans les rues de la ville. Donc voilà, Street of Rage, les rues de la rage, je sais pas, Rage, je sais pas, c'est la colère, la rue de la colère. Donc là, alors j'utilise, là je viens d'utiliser un petit bonus spécial, regardez, quand je l'utilise, hop, ça fait du mal à mes ennemis autour de moi. Je peux l'utiliser qu'une seule fois par niveau. Alors très rapidement, on voit donc notre vie en haut à gauche avec nos points aussi, évidemment, parce qu'on gagne des points par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on va, les ennemis qu'on démonte et tout ça. Et aussi la vie qu'on a, donc juste en bas, en dessous, la barre rouge, c'est notre vie. On a aussi le nombre de vies qu'on a. En fait, on a une barre de vie. Et si on meurt, On a le droit à des chances quand même, on va pas mourir directement, surtout que la vie ça se regagne pas super facilement, mis à part en mangeant des trucs que vous trouvez dans les cabines téléphoniques dans la rue. Donc vous voyez, comme ces cabines téléphoniques là, regardez, on casse, on trouve une pomme, ça nous donne de la vie, bon, ou des armes évidemment, ça peut nous donner des armes qui font plus bobo aux méchants. Donc comme je disais aussi, donc on a de la vie, donc si jamais je meurs, j'ai quand même 3 coups d'avance. Il y a du temps aussi. Là vous voyez le temps qui défile quand il y a des ennemis à l'écran. Voilà, 23. Il a l'air de défiler un peu comme il veut le temps, voilà, 40 secondes. Ça veut dire que je peux pas passer non plus 3 ans sur les ennemis. Hop là, je viens de récupérer une barre. Hop là. Hop là. On peut être à deux joueurs. Moment, enfin. Je pense que vous l'aviez vu en fait, Prest to upstart. En fait, on peut être à deux sur le même écran. Donc déjà, ça peut être bien, mais bon, comme je suis tout seul, ben, je joue tout seul. Donc là, j'essaye de combiner un peu les touches qui s'offrent à moi pour essayer de faire des petits combos et des petites prises sympathiques. Donc là, je viens de choper quand même une meilleure arme. Donc voilà, vous avez vu mon personnage, il est mort. Et en gros, quand il meurt, ma barre se recharge et je retombe du ciel. Et au moment où je retombe, tous mes ennemis sont éjectés au sol, c'est, je pense, pour éviter qu'on se fasse directement attaquer. Hop là, je récupère de la vie, mais ça sert à rien parce que je suis full. Allez, donc là, ça, là ils aiment pas du tout mes ennemis, là. Oula, j'ai fait un triple shot, là, c'était beau. Voilà, 1 minute 30... ouais, je sais pas, n'importe quoi. 30 secondes, ouais, c'est bon, j'ai bien le temps. Oh, c'est bizarre, le temps passe vraiment bizarrement. Je remarque quand même, bon, les secondes sont pas non plus énormes. Allez, on avance. Go, go. Ce qu'on va faire, je vais vous laisser, bah, tout de suite, on va vous laisser. Je vais vous laisser 5 minutes de jeu pour que vous vous imprégniez bien de l'ambiance et on revient dans 5 minutes. We'll be right back.
Donc voilà, après avoir fini le premier niveau, on se retrouve dans ce deuxième niveau, dans une ruelle un peu moins sûre que la première, on va dire. Alors hop, ah oui, je viens de faire une prise assez sympathique. Alors les coups de couteau, ils aiment pas du tout les ennemis. En général, ça leur met direct KO. Alors là, bon, je vais retrouver un morceau de tuyau comme tout à l'heure. Hop, de la vie, je peux pas me tomber. De toute façon, j'ai 4 vies pour l'instant. Donc c'est bon pour le moment. C'est souvent ces petites prises là qui, hop, qui donnent vraiment... qui sont vraiment très utiles. Allez, ah ouais. Alors souvent j'arrive pas à faire ma prise, c'est-à-dire je passe au-dessus de l'ennemi, je repasse de l'autre côté et ma prise ne s'effectue pas. Donc en fait ça lui fait rien du tout à l'ennemi. Souvent ça m'embête. Oh là j'ai fait un double. Double. Oh qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jeteur de feu. Hop. Hop là. Alors est-ce que ça crève ce machin? Est-ce que ça peut crever? Est-ce que tu sais comment on crève toi? Déjà je lui ai mis deux coups dans la face, il a... Bon il est encore là, mais bon, déjà c'est pas très très bon signe. Trois coups dans la face, il est encore là. Allez... Par contre je suis pas sûr qu'il sache comment faire pour m'attaquer. À part jongler avec des flammes, il fait pas grand chose. Donc il faut 4 coups. Ça c'est dit. Allez... Hop. Donc bon, c'est sûr que il y a moyen de s'ennuyer ou non. Alors après, c'est vrai que c'est très diversifié quant aux ennemis. Les ennemis sont relativement différents du premier niveau, comme on voit là. Le joueur de flamme, on n'avait pas au premier niveau. Donc on se dit, bon, ça peut le changement de décor, le changement d'ennemis, le changement, parce que c'est pas les cabines téléphoniques là qu'on va casser, c'est les bidons, comme vous voyez. Depuis tout à l'heure, c'est les bidons dedans, hop, un morceau de viande qui me redonne quasiment toute ma vie. Donc y a des diversités entre les items. Bon là j'ai quand même noir d'ennemis sur l'écran. Oh putain j'ai même une chasseuse là qui fouette là. Ça va pas le faire ça dis donc. Je vais pas m'en sortir si je me prends tout ça. Oh putain. Truc de fou. Allez crevez. J'ai pas le temps de me relever, je m'en prends plein la foisse. La foisse. Non, ça veut rien dire ça la foisse. Ah non. Surtout que les contrôles, bon, j'ai un peu du mal à m'y habituer. Sur Mega Drive, c'est vraiment spécial. Allez. Oh. Il me lance des trucs, donc lui... Ah lui, c'est même plus du feu qu'il a, c'est carrément des lames. D'accord. Hop là. Il me reste la chasseresse, là. Allez, crève. Ah, elle m'a mis les coups de fouet. Hop là. Elle a pas aimé, je crois. Elle a crié, elle a pas aimé du tout. Ouh là là. Ouh la musique vient de subitement changer. Ouh ça sent le vieux boss. Ah le salopard. Tout à l'heure il y en avait un, il était pas trop dur. On va essayer de faire celui-là, se farcir d'ailleurs. Donc j'utilise mon bonus magique. Hop, on va voir ce que ça donne. Sur un boss, ça m'étonnerait que ça le tue en un coup. Non, il a pas aimé. Mais ça l'a pas tué. Oh là là. Oh qui fait mal. Oh il fait très mal. Comment je vais tuer ce boss? Non, non plus. Ah, il m'enlève les trois quarts de ma vie à chaque fois. Ah non! Chaque fois que je me retourne, il m'en enlève. Ah, voyez, heureusement qu'il tombe à chaque fois que j'apparais, parce que dis donc. Allez, comment je fais pour te tuer? J'ai un couteau en plus. Mais non! Comment je fais pour le tuer? Voilà, il me reste plus qu'une vie. À la fin de cette vie, j'ai perdu. Ah, je lui ai mis un coup. Je lui ai mis un coup, c'est bon signe. Oui. Je lui ai enlevé la moitié de sa vie. Pas la moitié. Les trois quarts. Un quart. Sauf qu'il me reste plus qu'une vie. Je crois pas que ça va suffire. Non. Non, arrête de me tuer. Non, non. Voilà. Je suis mort. Alors, name. Bon, je sais pas comment on choisit les lettres. Vous voyez en haut, j'enregistre mon nom. Et je vais continuer. Hop, c'est parti, on va essayer de se le finir, ce boss. Donc c'est ça qui est bien avec le jeu comme ça, j'ai envie de dire en arcade, c'est que vous pouvez recommencer, quoi. Recommencer sans forcément... voilà, vous avez pas fini votre boss, ça fonctionne pas partout comme ça, mais voilà, vous avez pas fini votre boss, on vous propose de continuer. C'est le principe du insert coin sur le jeu d'arcade, voilà.
on propose de continuer au lieu de recommencer entièrement. Sauf que là, du coup, c'est pas top. Il faut que j'arrive à lui mettre des coups à lui. Ah. Voilà, je pensais pas que ça marcherait, mais si, ça marche. Donc je peux encore activer mon super bonus de fou. Je peux lui faire mal. Ah bah oui, effectivement, ça lui fait mal. Il vient de perdre quasiment tout ce qui lui restait de vie. Allez, voilà, voilà, c'est bon. Il n'y a plus de boss. Bon, même si j'ai dû utiliser quand même de la vie. J'ai quand même perdu, en fait, au final. Et j'ai recommencé dedans, donc en fait, c'est pas bien. Mais c'est pas si simple que ça, en fait. Hein. Au niveau des prises, c'est pas évident. Alors voilà, round 3 start, mais on va pas le faire, on va s'arrêter là. Donc ce sera tout pour Street of Rage sur Mega Drive. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.